précédemment dans la vraie vie de Monsieur Alex. Oh bonjour, je vous attendais pas si tôt. Bah allez-y, entrez. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, bah il y a une caméra qui me suit toute la journée en fait, pour montrer la journée type d'un influenceur. Non, en général c'est beaucoup mieux que ça, hein. Mais là je sais pas ce qui s'est passé. C'est encore mon agent, hein. Je vous jure que c'est pas la première fois. Hein. Non, en rentrant, je l'appelle et ça va saigner, croyez-moi. Non, mais laisse tomber. T'es viré. Hein ? Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Arrête, y a mon agent qui va arriver, donc tu peux pas rester là. Mais je suis ton nouvel agent. Tout ce que tu crois que je vais signer avec toi ? Tu lis ce contrat et tu le signes. Toi et moi, on va faire de grandes choses. J'ai envie de faire pipi. On est presque arrivé. Bonjour, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans la vraie vie de Monsieur Alex ? Bonjour, là aujourd'hui je vous emmène en studio. Studio de musique ? Vous chantez ? Ouais, depuis que je suis tout petit je suis passionné par ça et j'ai un producteur qui m'a contacté sur Instagram et il m'a proposé d'enregistrer une musique, donc j'ai sauté sur l'occasion quoi, c'est un peu un rêve de gosse qui se réalise. Allô ? Allô Max, tout va bien ? Oui monsieur. Dis-moi, tu sais pas où il est l'autre couillon ? J'arrive pas à le joindre. L'autre couillon monsieur ? Bah Alex, qui d'autre ? Ah, non, je sais pas monsieur. Il fait chier quand même ce petit con, hein. C'est sa mère qui a raison, jamais dispo quand on a besoin de lui. Bon, si jamais tu le croises, dis-lui que je lui parlais. Très bien monsieur. J'imagine que votre agent n'est pas au courant de ce qu'on fait aujourd'hui ? Non. Alors en fait, techniquement, j'ai pas le droit de travailler pour un autre producteur, comme je suis en contrat d'exclusivité. Et vous avez fait comment pour qu'il soit dans la confidence ? On va dire que j'ai su me montrer généreux. On est arrivé, monsieur. Madame. Merci. Mais de rien. On y va ! On y va, on y va, on y va, on y va, vite. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pour les émeutes de femmes. Mais quelle fan ? Désolé. Bonjour à tous. Bonjour. Attendez. Excusez-moi. Tout est ok. Tout va bien ? Oui, ne faites pas attention à lui. Voilà les studios. Waouh ! C'est canon. Et il y a des personnes célèbres qui sont venues ici ? Oui, c'est arrivé. Il y a eu Lara Fabian, il y a eu Slimane, et il y a eu surtout, et j'en suis très fier, il y a eu Céline Dion. D'ailleurs, elle nous a dédicacé un de ses disques d'or. Je vais vous chercher ça, vous allez voir. T'en rends compte ? C'est ouf ! T'as vu tous ces boutons ? Putain, c'est impressionnant, c'est... Je crois que j'ai fait une bêtise. Me dis pas que... Oh putain le con. Il a cassé le disque d'or de Céline Dion. Cache dans ton sac, cache dans ton sac. T'as la femme de ménage qui a bougé de place. Moi j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Vous devez pas enregistrer une musique ? Bah ouais, mais bon, j'aimerais écouter votre voix avant. Eh ben allons-y. Ok, c'est parti, je vais vous installer. On n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que... Mais alors, on me fait des petites cachotteries ? Bah comment t'as su qu'on était ici ? J'ai vu la story de ta mère. Bah vous êtes qui vous ? Je ne sais pas si Alex vous l'a dit, mais il est sous contrat avec moi. Ça veut dire qu'il ne peut pas travailler avec vous sans mon accord. Oui,
vie. Et toi, depuis quand tu me mens? Je suis vraiment désolé, on vous a fait perdre votre temps, mais non, merci. Attends. Maintenant qu'on est ici, on va en profiter, hein. On va chanter. Ah bon? Non, mais tu sais que je suis d'accord pour que tu explores de nouveaux domaines, de nouveaux horizons. Puis j'ai même trouvé un titre parfait pour ça. C'est quoi? Hop. Tenez, le titre est sur la QBSB. Tu vois, c'est une reprise. En ce moment, ça cartonne les reprises. Donc là, c'est une vieille chanson qui a été remise au goût du jour. Regarde-moi bien, jamais de la vie je ne vais chanter la danse des canards. Hein. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secoue le bas des reins. Et font quoi-quoi. Fait comme les petits canards pour que tout le monde se marre, remuer le popotin. En faisant quoi-quoi. À présent claquer du bec et... Attends Alexandre, s'il te plaît, est-ce que tu peux la refaire, mais de façon un peu plus suave. Genre Julien Doré, tu vois. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, oui, voilà. Se secoue le bas voilà, des reins. Voilà, nickel, tu gardes ça et on y retourne, ok? Vas-y. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins. Et font coin-coin. Fait comme les petits canards. Bon, bah ma carrière est finie, hein. C'est vrai que c'est pas ouf. Moi j'aime bien. Excuse-moi, Guillaume, je peux te parler une minute? Bien sûr. Il est absolument hors de question que cette musique sorte un jour. Pourquoi? Ça va être un tube, le tube. Non, stop! Stop, Guillaume! Ça suffit! J'en ai marre de te suivre dans tes plans foireux là, à chaque fois. Stop! Donc maintenant, tu vas poser ton cul dans ce canapé et on va écouter ensemble la musique que ce producteur avait pensée pour moi. Bon, alors est-ce que vous nous faites écouter ce que vous aviez prévu? Oui, je vais vous montrer ça. Ah, Céline Dion! Vous avez vu? Bah, c'est pas mon disque d'or de Céline Dion, ça? Ah non, pas du tout, c'est parce que vous croyez... Ah non, mais stop maintenant! Allez, vous dégagez! Non, terminé! En fait, c'est lui. Ouais, je veux pas le savoir! Mais pas Céline! Mais bon, enfin, je comprends! Vous faites de la musique, vous avez... Pour rien! On m'a demandé de signer dans le pied! Ouh! Bah là, c'est qui commence à se faire... Allez! Enfin, une bonne nouvelle. Sacrée journée, hein. Il y a au moins quelque chose de positif derrière tout ça, c'est que la reprise de la danse des canards ne verra jamais le jour. Ah, mais vous avez récupéré la clé USB? Oh putain, la clé USB! Oh putain! Ah, vous courez pas, vous? Elle est pas si mal que ça, la musique. Il y a du potentiel. Bon, donc faut y aller. Dégage-toi là! Prends le vélo! Prends le vélo, dépêche! Prends mon vélo, putain! Passe-toi de là! Mais putain! Désolé! Mon vélo! Bon courage, on vient la chercher. Putain, le coup, il a volé la clé USB? Je vais aller la récupérer. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce con, il a volé la clé USB. Ah, mais c'est pas grave, je vais faire une petite tarte au pruneau. Merci maman, mais c'est pas le moment. Bah Alex, le pruneau, c'est laxatif. Mais qui va aller chercher la clé USB? Oh, moi je fais déjà la tarte. On n'y pense même pas. Max, tu fais quoi les prochaines 24 heures? C'est mon jour de repos. Alors j'ai peut-être une mission pour toi. Et merde. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secoue le bas des reins. Mais bon, coin, coin. Fais comme le petit canard pour que tout le monde se marre, remuer le popotin. En faisant coin, coin. À présent claquer du bec, en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant, pliez les joues, redressez-vous.